Des T-Rex. Aïe. Tu fermes la porte derrière moi? Ah bah tiens mec, hein. Bah tiens, le stego ça donne de la prémite. Ouais, Vas-y, est-ce que tu peux bouffe-le. fermer la porte derrière moi? Vas-y, vas-y, vas-y. Alors les mecs, aujourd'hui on va aller chercher du mégalodon, mais on C'est a ça. besoin de... Primate. On a besoin de viande en gros, grosso merdo, pour tamer le truc. Et la viande la plus efficace, outre les kibbles, c'est soit celle de mouton, mais il n'y a pas de mouton. Enfin, faut qu'on en trouve quoi. Soit de la prime meat qu'on trouve sur un petit peu n'importe Tiens, quel truc quoi. tu la récupères? Ouais, après t'en as combien là? J'en ai 10. Ouais, il va nous en falloir bien plus. Ah, parce que oh, ça périme en 10 minutes là-dedans. Ouais, après le T-Rex, on va pas l'amener là-bas, non? Oui, non, mais à la fin. Mais pour l'instant, on peut laisser dedans. Bon, Ouais, qu'est-ce que vas-y. je fais? Je bouffe tout sur le passage ou quoi? Bah, bouffe ce qui donne de la prémite. C'est-à-dire que ça pour l'instant, ça en donne pas. Ah, je crois que t'as bouffé le dino de Mitsu. Non, non. Il l'a récupéré. Ah, attends, est-ce qu'on a Alors, chez les vas-y, plantes je fais là? l'éclaireur. Je fais l'éclaireur, mec. On va voir s'il y a des trucs autour. Alors, oh, il y a un kangourou à gauche. De la prémite ou pas? Je sais pas, moi je descends, on défonce tout! C'est trop bien de se balader à deux T-Rex, c'est Mais tu n'importe vas quoi. trop vite en plus avec ton truc, genre. Ah, par contre, Ah, il y a se un repose de Térésino, temps en mec. temps. Vas-y, lui, ça donne la prémite. Lui là? Ouais. Putain, tu le défonces tellement, mec. Normalement, ça c'est censé être défoncer un T-Rex, mais. 4 viandes crues. Ah! Oh, t'as un dilo au cul, mais bah les couilles. Ah, il y a un gros Térésino encore devant là. Vas-y, bouffe-les! Salut! Éradication! Putain, c'est tellement aberrant, quoi. Après, il est level Ah, 10, tu vois. 17! 17 en plus. Nice! Ah, c'était notre maison ici, et pas Ouais! rien. Attends, je me fais attaquer C'était. par des trucs de merde en dessous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On passe en face? Vas-y, Le... vas-y, il doit bien y avoir des trucs. Bah, y'a un raptor, mais ça donne pas. Galliminus, je pense pas que ça donne, puis ça court trop vite. Y'a encore un Térésino là-bas loin. De toute façon, je pense que si on monte dans les terres, en vrai, y'a vraiment moyen d'avoir des gros dinos là. C'est quoi? Attends, au pire, je vais essayer de faire un petit tour en éclaireur et je te dis où est-ce qu'il y en a. Y'a un Stego. On essaye de trouver les gros là. Ouais, mais putain, y en a pas. Le truc, y en a partout normalement. Alors après, là, à l'intérieur des terres où je suis, il y a deux dinos qui donnent de la prémite là. Attends, j'ai venir voir où t'es. Ouais, t'es à côté. Attends, je hurle un coup parce que j'ai level up. Ah. Là, à ta gauche, si tu montes, y a des dinos qui donnent de la prémite. Ah, de toute façon, faut aller vers l'intérieur pour essayer de choper les gros là. Ouais. Tu vas Nanana. tellement vite, mec. Ah, il a fait caca. T'as J'aime bien fait les caille, expéditions en T-Rex. Bon, là, je bouffe tout ce qu'il y a devant hein. moi, c'est ça? Elle est trissée? Tricer, ça ne donne pas. Mais avance, Bon, je m'en là-bas, fous. t'as un stego là-bas ici, et t'avais un autre truc à côté qu'on te donnait. Ah, il y a un bronto à gauche. Ok, il y a un carnot en plus. Ouais, mais mec, y a tout ce qu'il faut, c'est bon. Là, on a le stock de prime meat pour 3 heures, quoi. Oh, il tank Mia. lui. Il est au level, lui. Il va en donner plein. Vas-y, bouffe-le! Putain, il était level 130. 130, ouais. Nice! Ah, il m'en À donnait gauche, il y a les 12. trucs là, si tu veux le Carnot. Le Carnot va Ah, en donner pas salut le mal. Carnot! Comment ça va? Pourquoi tu touches à mon pote là? Ah, Ah bah j'étais one shot. Ah non, c'était l'ankylo. bah le Carnot aussi. J'étais presque one shot. Alors attends, on reprend un petit peu d'énergie. Et on va Oh, bouffer ce gros truc mec! glitché. C'est la forêt des brontos ici. Genre, y'a masse brontos partout. Bah on va les bouffer. On va faire un stack de prémite. Vas-y, je t'épaule. Aïe! Ah putain de saloperie, truc qui vole! Y'a des abeilles! Putain, je vais les pomper, mec. Ouh, il a l'air élevé comme level, mec. Ah! Mec! Mec, il est super élevé le truc. Ah! Au secours! Oh, ça est super élevé, il est déjà mort. Hein. Mec. Le problème, c'est qu'il donne des coups queue en fait à 4 km. Hein. Ouais, fais gaffe, y'a roue de secours là qui casse les couilles. Hein. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ah, il était level 85. Ouais. Reviens là, roue de secours. Alors, par contre, toi, t'attaques pas. Ok, tu te mets en passif là. Neutre. Passif. Les brontos. Putain, c'est trop joli là. Tu l'as déjà dépecé? Ah oui. Ah, attends. Mec, il a Je donné vais un. marcher ce. Oh, il y a des brontos partout! Ouais, vertèbre, on en a déjà plein, quoi. Casse les couilles. Vas-y, bouffe-les! Miam 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 J'ai l'impression que niveau gamma, c'est vraiment la merde là. miam. En plus, je On le va fais rester level comme up, c'est ça. trop bien. Il fait plus sombre ici, mec, que la nuit dans. Chez nous, quoi. Allez! Je te l'ai volé la flèche. C'est toi qui l'as tué. Ouais, j'ai mis une seule flèche, mec. Putain, il est trop loin, lui. Je sais pas Ah, si je tes tire flèches trop haut. font mal. Je sais absolument pas si je tire trop bas en fait, donc je vais arrêter de tirer.
suis un peu trop loin, je pense. J'utilise pas des flèches pour rien. Ouais. Bon, au niveau prime meat, t'es bien ou pas? Alors, on a 142 prime meat. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour aller me yellow drone. Ok, vas-y, pense qu'on peut rentrer. Récupère-les dans ton. Bon, on va rentrer. Non, bah, on les laisse dedans. On va rentrer. Ouais, on va rentrer tranquillement. Attends, il a level up, j'augmente ses dégâts, il y en avait pas assez. Attends, y'a pas un autre truc qui traîne à côté pendant tant qu'on y est. Il a 506% de dégâts. Putain de fuck. Là, par contre, on est bientôt sur l'île de prof. Hein. Oh merde! Alors... Aïe! T'as eu de la chatte. Aïe aïe aïe! Faut pas que je mette le parachute sur la touche aussi. Attends, on va faire coucou à prof. Vas-y, vas-y. Il est en live en plus, non? Je crois que j'ai marché sur un pachy. Et j'ai fait caca dessus. Le mec, il marche sur le truc, il lui chie dessus, tu sais. Y'a du stego en face si jamais tu veux encore de la prime meat, mais. On va juste y faire un coucou à la base de prof. Vas-y. Fais gaffe aux plantes XY, je sais pas quoi là. Ça fait mal quand même. Je crois que t'as croisé un poisson. Des trucs random. Oh, c'est quoi ça, les lumières qu'on voit, mec? C'est trop beau, les arbres. Où mec, ça tu vois les lumières chez prof ou pas? Ah ouais? Ah, il a tiré des flares. Putain, il a un Quetzal et tout. Tiens, on les bouffe. J'ai plus d'énergie. Ah merde. Tu me dis s'il y a des plantes? On ouais, est territoire oui, tire des hostile. Flares dans tous les sens. C'est quoi la touche pour parler dans le jeu? Je sais plus ce que c'est. Tu penses qu'ils me font mal ou quoi? C'est moi, ça lag les plantes de ouf là. Enfin, pas les plantes. Mais oh mec, c'est trop beau la Tessie qu'il a fait. Elles font mal les plantes ou pas? Je sais pas, tu regardes. On se fait pas attaquer. Mec, c'est quoi qui. Bah, ça, la maison, c'est un mode en fait. C'est un mode en gros, tu craftes la maison, tu la poses et ça fait instant oui, le truc. Il paraît que c'est assez sympa. Bon, j'essaie de pas marcher sur lui. Ah, ils ont fait tout un village. Coucou. C'est sympa le village. Contre, hein, moi ça me fait laguer de ouf hein, leurs flares, ils sont complètement buggés. Ouais, ça explose dans tous les sens. Bon les mecs, on va rentrer, on va faire gaffe que notre viande se périme pas. Yep. On va rentrer tranquillou et ensuite on va chasser le mégalodon. Ah, y a prof là, sur son terreau mec. Il est où? Il m'a même pas capté mec. il est au bas des flares là. Attends, on va le voir, je vais lui faire un rugissement. Mais regarde, il est là. C'est genre, je suis genre mec, je suis un petit terrain et tout qui est tranquille, qui va se poser tranquillou. Mais attends, il y a plus ses fleurs. Il est où? En bas là? Ouais, il est au niveau des flares là. Il est dans les coffres. Ne donne pas un coup de croc parce que sinon tu one shot, mais il est à ta droite. Attends, je me pose. Tu mets à coucou. SLT. Je sais pas si c'est prof ou maîtresse, non ça doit être prof quand même. Attends, je me fais attaquer par une petite merde. Ah. Mais ce mec, ses flares sont buggés, hein. Il devrait pas rester comme ça seul. Ouais, il devrait pas rester. Attends, je vais vraiment lui hurler. Regardez, il est juste là. Mec, il a grimpé. Il est sur mon bec. Oh merde. Regarde, il tire. Il tire des flares. Eh, ça fait mal aux yeux tes trucs là. Putain, le pire. Aïe. Ah, oh, ça pète les yeux. C'est feu d'artifice. C'est mort. Bon, les mecs, on se retrouve à la base, putain. Pauvre prof. Wouh. Feu d'artifice. C'est trop énorme. Putain, la fumée que ça laisse, c'est un bordel monstre. Ah ouais. Pourquoi? Putain, c'est bien. Prof de maths l'artificier, mec. C'est pas eux le clan artistique en plus? Ah bah là, pour le coup. Regarde, ça me tombe dessus après. Ah mec, c'est trop stylé. Ah putain, ça brûle les yeux, les mecs. Bon, allez, go à la base. Yep. Encore du bronto. Et regardez les mecs, je vois deux queues qui se baladent là-haut. C'est ça, c'est le pic quand des bronto. Les queues se baladent, ça m'attire. Ah putain. Peggy 18. Qu'est-ce qu'elle t'a dit hier soir? Oh, putain. Putain, mais il est solide, lui.
solide sur le les mec. Non, mais le mec, le pire, c'est qu'en fait, ils sont l'un sur l'autre. Hein. Genre. Attends, je suis en train de bouffer les couilles. Ah, j'ai buté un ours. Oh non. Oh, ça donne de la fureur. Mais comment ils ont pu spawn là-haut, quoi? Genre, à quel moment les devs se sont dit on va faire spawn des brontos sur les pics, tu sais quoi? Je me fais attaquer par un oiseau volant. Attends, est-ce que je peux grimper? Avec ton truc, je pense pas. Oh, mais après, je peux transporter. Chercher le Quetzal. Non, mais je peux transporter si tu veux. Non, les brontos, on peut pas les transporter au Quetzal. Hein. Non, mais est-ce que les T-Rex, tu peux le transporter au Quetzal? Non. Non, non, c'est trop gros. C'est juste. Bah, il faudrait faire une... Pourquoi on a toujours pas fait de plateforme sur notre Quetzal? C'est level 80. Mitsu peut la faire en soi. Mitsu à la rescousse. Demande-lui si on peut la faire vite fait. Bah. Après, pour les emmener sur le Quetzal. Après, non, mais c'est un risque qu'on. Laisse tomber. C'est un risque qu'on. surtout qu'on plante le T-Rex et vu le level qu'il a. Oh putain, je suis obligé de faire un créneau avec le T-Rex là, c'est l'horreur. Pourquoi tu veux monter où? Ah, tu veux faire demi-tour là? Ouais, mais j'arrive pas à faire de créneau. Regarde. Après, si tu sprints, non, mais tourne vers la droite, vers la montagne ou pire. Là, tu sprints en tournant vers la droite et il tournera quand même, forcément. Ah ouais. Ah, nice! Easy. Bon, retour à la base! Yeah! Allô, don! On en a trouvé! On en a trouvé un qui est droit devant, si tu regardes. Oh. Il y a. Attends, ça va être chaud de l'amener parce qu'en fait, pour qu'on puisse tirer des flèches tranquillisantes, mec. Il y a 1,25. Il y en a à droite, mec. Hein. Ouais, mais il est pas élevé, lui. Ouais, lui, 25. Il est 25. Là-bas, il est trop lent pour que ça voilà, affiche. 140, il est tout droit. Ok. Tout droit, il est 140. Au pire, tu montes sur l'oiseau et tu me récupères. Si je fail, on meurt tous les deux, donc. Non, mais après, mec. Il y a une baleine avec. On a pas de baleine. Non, mais en soit, t'essaies de l'aggro. De toute façon, tu nages vite. Juste, t'essayes de courir. Après, autour, c'est que des 10 et des 25. Hein. C'est pas un problème, ce tour. Non, après, c'est les raies. Attends, tu sais quoi, déjà, moi, je vais clean ce qu'il y a autour de là où on est parce qu'il y a un mégalodon qui va me faire chier. Il y a un mégalodon qui va me faire chier. J'essaye de l'attirer discrètement. Vas-y, fais ce que tu peux. Moi, je clean ce qu'il y a autour de là où on va le tamer. On a un autre là-bas. Ah là bon, toi t'es mort 45. Déjà, frérot. Il m'aggro pas, faut pas que je lui tire un truc dessus. J'essaie de récupérer les flèches de métal comme je peux autour. Il te voit à partir de combien? Il te voit à partir que je sais pas trop. Ok, il m'a vu. Ok. Je suis peut-être dans la merde. J'ai un mégalodon level 15 là-bas. Je suis peut-être dans la merde. Et il est level combien là? J'ai un mégalodon level 40 encore. Alors mec, je suis parti sur l'île de prof. Ok, il me suit, il y en a d'autres. L'île de prof. Ta présence est requise, il y a rien autour, par contre, j'en ai juste aggro. L'île de prof, on est d'accord, c'est l'île où il y a le gros pylône. Pas l'île de prof, l'île de d'Alex. Ok. Il y a une belle arche. Ok, il y en a un qui a fait demi-tour. Je crois que j'ai aggro que le 140. C'est bon, je l'ai à mes pieds. Ah, coucou. Bonjour. Eh ben écoute, c'est relativement safe, faut qu'on le ramène au bord en fait là. Faut qu'on ramène au bord et à partir d'ici on pourra laisser la l'aggro encore. Ouais, vas-y, aggro-le. Ramène-le bien. Ouais, ça va. Il y a les deux frérots derrière. Il y a un level 95 qui est là-bas. Ils sont en couple. Non, on va faire du haut level. Celui-là, c'est le mien, je l'ai trouvé. Alors attends, on peut lui tirer des fléchettes d'ici. En soit, tu peux lui tirer des fléchettes partout. Coucou hibou, coucou hibou. C'est bon, il se ramène. Elle est où mon arme? Elle est là. Touché. Nice. Par contre, t'as... Coulé. T'as misé plein pas très loin. Ouais, t'inquiète. On peut pas l'attaquer en dehors de l'eau. J'ai qu'on fait tire, caca en tirant. Faudrait qu'on tire un petit peu genre l'un après l'autre en fait. Ouais, attends, vas-y, je tire un coup. C'est bon. Nice. Et je tire un coup. Hop. Nice, je tire un coup. Hop. Ah, faut faire gaffe que. Quand il bouge plus trop. Là, il bouge encore donc ça va. Après, le problème c'est qu'il peut fuir en fait. Et ça, c'est très chiant. C'est pour ça qu'en fait, c'est bien de taper dans le creek. Parce que si jamais il fuit, on est dans la merde. Hein. Ouais. Bah, falloir le poursuivre et on peut pas tirer solo, tu vois. Donc, il est parti où? Oh, là, sur la gauche. Il se barre de loin. Il est en train de fuir en fait là, non? Ouais.
Touché. Touché. Il est en train de bouffer autre chose. Ah ouais. Raté. C'est bon, c'est bon, il a re-aggro. J'essaie de pas te narcotiser toi par contre parce que... Bouge. Touché. Eh oh. Mégalo. Raté. Tant qu'il est en bas, on est bon. Il s'attaque à autre chose. Touché. Je vois rien avec l'eau. Ah moi non plus en fait, mais à chaque fois je vais dans l'eau pour voir un petit peu où est-ce qu'il est. Touché. Il est pas trop mal là. Retouché. J'espère que je touche pas la tortue tout à l'heure, ce serait chiant. Je sais pas ce que je touche. Eh oh! Ah bâtard! Il a bougé l'enfoiré. Bouge nice. Pas beaucoup. Ah ouais, faut. Oh, j'ai mis un plan dans le museau là. Ah ouais, viens, viens, là t'es bien là. Ah ouais! Ah ouais, frérot, là t'es bien. Alors bouge surtout pas, mec! Bâtard, oh, il m'a volé mon arme! Reviens! 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 Putain! Je crois qu'il dort. Comment tu sais quand il dort? Quand il bouge plus. Non, non, il dort pas. Putain, mais j'aurais pu spammer une flèche le truc, mec, et Ah, l'autre con qui me vole mon arme, quoi. Il bouge plus des masses, hein. Il est encore vivant là. Ah ouais, je confirme. Il est encore en pleine forme. T'as combien il en faut là? Relativement beaucoup. Level 140 c'est beaucoup, hein. C'est ça s'est levé. Hein. Il a l'air de fuir là. Il dort. Nice. On l'a. Nice. On l'a. Nice. Il est inconscient en plus. On l'a absolument pas touché. T'as les primates. Ah putain merde, attends, faut je aller dans lui ton. Passe. Je lui en mets combien? Tu lui mets tout. What? Pourquoi je les ai pas? Parce qu'elles sont dans ton ptéro. Elles sont dans mon ptéro, j'arrive. Il faut du narco, t'as pris du narco? Je prends le tien, je sais où il est mon ptéro. Attends, vas-y, va chercher. Transporte-moi, comme ça moi après je reprends le mien et je vais chercher. Attends, va le chercher parce que j'ai mes palmes. Dépêche. Ah, tu peux retirer tes palmes. Après, niveau narco, il n'a pas besoin presque, hein. Genre il dort très longtemps, donc c'est pas un problème. Hein. Là, même si on ne nourrit pas dessus, ok, viens me chercher où on était. Non mais attends, c'est quoi, je vais siffler ton dino et je te le ramène, ok? Ouais, si, amène-le moi, comme ça on sait où il est, on perd pas de vue. Ouais. Putain le mec, on va en avoir un. On a un bon level là, ça c'est cool ça, parce qu'en vrai il va pop level presque 200. On a ça, une selle ou pas du tout? On n'a pas de selle, faudra qu'on la craft. On a le temps après, en vrai, de toute façon mec on en a pour une heure, donc concrètement je te le dis. T'as le tamé? Ouais, peut-être plus même. c'est long. Oui, d'accord. Donc on va ellipser. On va ellipser, mais je veux juste voir quand je lui donne de la nourriture. Vas-y, c'est moi qui lui vas-y, donne. Y est ta main. Tiens. Pose-le, mouette. Je fais ce que je peux. Mouette. C'est quand il veut. Eh bien, mouette. Mouette. Il s'en bat les couilles. des fois, ils sont longs à la réaction. Par contre, on lui a mis combien de flèches au mégalodon, mec? C'est-à-dire que moi, j'ai perdu 27 flèches. Hein. 21 j'ai, j'en ai fini. J'en ai pas eu 27 et j'ai dû en faire 5, un truc comme ça quoi. 21 j'en ai grillé. Vite! La bonne nourriture, y'a. Mais c'est bien parce qu'il s'est éloigné des autres, y'a rien autour. Y'a une raie sur la gauche. Après, faut juste faire gaffe qu'il y a pas un truc qui vienne de bouffer quoi, mais. Bah, y'a une raie sur la gauche. Et donne-lui à manger pour voir combien de temps ça met. C'est la barque, c'est pas cuisé ou c'est juste les mégalons? Non, c'est ok, il a pas encore faim, c'est pour ça. Il va avoir faim il dans pas 3. Encore faim, il va bientôt avoir faim là. On lui passe la bonne primate, il a intérêt à être content. Enfin, limite qu'on trouve un mouton, mec, qu'on dépasse les moutons et qu'on lui passe le mouton quoi. Ouais, c'est dommage parce qu'en fait, lui, les kibbles qu'il lui faut, c'est les kibbles de Spino et on a 15 pieds. Oh, ça va en vrai. Ça va, il a pris genre. Bon, peut-être pas 10%, mais un petit peu moins. Ça va, c'est raisonnable. Ah ouais, si, ça va. Après, le truc, c'est juste qu'en fait, il met du temps à manger en fait, c'est ça le problème. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais. Tu sais quoi, attends, je vais ramener la raie, je vais la fusiller. Ouais, on tue la raie. Ah ouais, effectivement, la nourriture descend très lentement. Bah écoutez, les mecs, on va ellipser, on va attendre tranquillement. Yep, hein. Et on aura notre petit Tino. Elle est sur la gauche. Là-bas, là.
Ouais. Bon, vas-y poto. Oula. Ah. Bon bah écoute, une balle de pompe, ça suffit. Mental level, hein. Bon allez mec, on se retrouve un peu plus tard. Ouais, à toutes. Attends, je vais leur dire de pas me suivre. Vas-y. Équiper la saddle. Mec, il a déjà le level. Il tente de la merde. Attends, par contre, faudra que donne autre chose que la pyramide parce que bon, hein, ça va 2 minutes. Donc on a celle de mégalodon. Ok. Qui est. Putain, 66 d'armure. Ça va, stamina, ça va. Attends, moi, il a que 291 de dégâts, quoi. Fuck it. Par contre, faut mettre la fenêtre, la tenue plongée, hein, si jamais, sinon on va se noyer. Enfin, juste, ouais, la bouteille, t'es pas obligé de mettre le masque. Hein. Ouais. Tu vois plus loin avec le masque, je crois. Sans le masque, faut dire... tu vois plus loin. Faut dire à nos mégalodons de nous suivre. On voit mieux quand même avec le masque, hein, genre. Mec, on. C'est... Ah, c'est le tien là. T'as pas dit à ton oiseau de te suivre, non? C'est fort probable. On les ramène où? Bah écoute, à la crique. Viens, on bouffe des poissons au passage. Vas-y. Oh, y'a des mégalodons droit devant. À l'attaque! Attends, il est combien lui? Là, je peux pas sortir ma longue vue. Ouais. Je sais pas combien il est, je l'attaque ou pas? Oui, oui, non, mais tu risques rien, mec, hein. T'as une selle légendaire donc. Tu vas le bouffer en 2 secondes en plus. Ah, t'inquiète. What the? À l'attaque! Tu auras ton mégalodon perd 0 PV. Veux la viande. Non, on veut la viande tous les deux. Ah, j'ai des narcoberries. Je me demande pas pourquoi. Ah, oh, j'ai des dents de mégalodon, hein, si c'était cool. Oh, l'XP que ça a fait gagner? Ah, je sais pas. Ah, ça m'a fait gagner 5 levels. Ah, je me fais bouffer par plein de trucs par contre. Mec, j'ai masse. Oh, viens, on bouffe tout. Sombol, oh non, les dauphins! T'as des raies au cul par contre, hein. T'as masse raies au cul. Et ça fait gaffe, ça te dépop le mégalodon en 2 secondes. Ouais? Ah, faut. Si jamais on bute des raies, faut qu'on les bute à deux. Nouveau niveau disponible. Et encore un mégalodon là. Mec, attends, y'a 3 raies sur moi. Mon mégalodon se défonçait. Oh, tout. Prends trop cher. Mais en fait, j'ai pris les raies à qui te taper. Ah non, mais pourquoi tu les tapes? Parce que ça donne masse XP. Vas-y, vas-y. Attends, il a pris 30% HP mon truc quoi. Ah, ouais, elle était 105. Les raies, c'est vraiment les pires trucs possibles quoi. Elle était 105. Bon, alors attends, là je crois que j'ai de la bouffe, hein, j'ai 760. Qu'est-ce qu'on va augmenter les dégâts? Oh, d'ailleurs, il a pris combien de level? Oh, y'a masse mégalodon. Oh mec, je suis à 440% de dégâts. Ils sont où les mégas? Là devant toi. Ah, tu passes dessus quoi. Par contre, c'est moi, il fait vraiment nu dans l'eau. T'es en gamme à combien toi? Ouais, on voit rien, c'est infâme. Oh, c'est trop bien. On attaque. Oh, c'est toi que je bouffe là. Non, tu veux pas me taper. Heureusement. Je sais pas, il level combien celui que je tape, mais il est bien, bien costaud quoi. Vas-y, meurs, salaud! Il descend pas. Ah, il est niveau 20 MDR. Très bien, c'est mon mégalodon qui fait 0 dégâts. Ah, j'ai des dents de mégalodon. Yep. Attends, on a level up encore, MDR. C'est aberrant, hein. 450%. Mec, t'es level 218. Ah, j'ai récupéré des flèches. Nice! Lance en bois, foulard en tissu, armure. Par contre, niveau poids. Ouais, attends, je vais juste attendre, ça ne sert à rien là. Bon bah, les mecs, on se dit rendez-vous à la prochaine, hein. Yep! Il fait nuit de ouf. Là, honnêtement, on est bien. Ouais, j'ai trop de bouffe, hein. Ça sert à rien d'en garder autant. Hop. Ouais, niveau poids, il transporte pas grand chose, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on augmente la vitesse? Non, les dégâts, on s'en fout. Non, la vitesse, on s'en fiche pour l'instant. Les dégâts, c'est trop puissant. Ah. Et voilà, on a nos mégalodons! Et on voit absolument rien, c'est infâme. Allez, on rentre à la base! À la prochaine! Bye bye!